L'église dans la ville de Yaoundé fait descendre Dieu chaque nuit dans les lieux de la croisade de louanges, de jeûnes et de prières du ministère. Et les voix des saints s'élèvent vers Dieu même dans les coins les plus reculés de la ville. L'effervescence pour la croisade depuis le début a permis à l'église de Yaoundé de se rassembler dans 51 points de prière. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu es celui qui peut sauver ceux qui s'approchent de toi. Le centre chrétien de soi. Je viens à reconnaître que le Seigneur a été avec nous depuis le premier jour de la croisade. Le premier jour, nous avons commencé au nombre de 51 personnes. Et à 18h, le programme c'est, nous avons une heure de loi, une heure et demie de loi d'adoration. Saint, nous prions éternel Dieu. Et ces deux personnes, nous les libérons à 21h. Et à partir de 21h, nous prions. Le centre chrétien de Tougébé, le centre chrétien de Mouhoulou. Le centre chrétien de Messassi. Et Kabita, Nkomotu 1, Odia, le centre chrétien de Colbison, Messa, Mimboman 1, Damaza et Fulan, Ngusso Chapelle, Nomayos, Derrière Kradat et Fulan 2, pour ne citer que cela. Ces lieux de rencontre pour suivre la croisade sont des environnements divers et multiples. Dans les lieux de service, je suis ici pour suivre le croisade sur le radio Koumenos. Et ce message, c'est le phase du. Nous sommes dans le phase de croisade. Et que si tu n'arrives pas à participer dans dans la réunion même en question, il faudra que tu captes même ton téléphone à la maison pour suivre avec les autres. C'est pour les raisons que moi, en tant que gardien ici, pour maintenir la sécurité dans notre église générale et l'église, j'ai décidé donc de suivre en même temps aussi. Le Seigneur me donne, n'est-ce pas, me renseigne, me donne, me rend service ici dans mon lieu de travail ici. Dans les familles, dans les centres chrétiens, dans les églises des maisons. Déclara par serment, aussi vrai que l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, je te promets de réaliser aujourd'hui même la promesse que j'étais faite avec serment au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, lorsque je t'ai dit que ton fils. À partir d'un poste de projection par les canaux de réseaux sociaux, ou encore pour ceux qui ont le décodeur de la chaîne de télévision RTVC, Radio Télévision Voix de la Croix, ou par le moyen de la radio, ou encore grâce aux synthèses des messages de la veille. Les frères suivent allègrement la croisade de louanges, de jeûnes et de prières du ministère conduite par le frère Théodore, qui enseigne depuis le 16 octobre à partir du quartier général de l'œuvre à Koumé-Bertois. À l'entame de cette quatrième semaine de la croisade, Yaoundé suit la dynamique de l'intercession jeûnante associée à la louange pour demander au Seigneur de susciter les dirigeants dans l'œuvre en vue de l'accomplissement du but d'ici 2065. Seigneur, sauve les multitudes au quartier. Hawaï, Bombanga, et ajoute-les à nos effectifs au nom de Jésus. Amen. Amen. 411, Seigneur, accorde-nous d'y implanter des églises de maison constituées des disciples de Jésus-Christ. Amen. Pour la phase 3 qui s'étend jusqu'en 2025, l'œuvre a besoin de 1 million de dirigeants qui sont les faiseurs des disciples dans 1 million d'églises de maison comptant entre 50 et 100 membres dans plus de 150 nations.
Et l'église dans la ville de Yaoundé ne se voit pas manquer à ses responsabilités de premier fils. La croisade, nous avons commencé, comme tout le monde le sait, et c'est chaque jour. Amen. Notre but, c'est de prier de 19h à 5h. Mais depuis que la croisade a commencé, nous n'avons pas fait moins de 7h chaque jour. La moyenne, c'est environ 9h30. Amen. Ça se passe bien jusque-là. Nous avons une participation moyenne également de 5%. Nous sommes connectés à Koumé. Nous avons procuré le décodeur de la RTVC qui nous sert également. Et que, en plus du décodeur, nous avons la connexion sur YouTube et nous avons aussi la Radio Voice of the Cross. Amen. Nous utilisons ces trois moyens pour pouvoir être connectés vraiment à Koumé. Et Yaoundé loue le Seigneur. Comme le centre chrétien de Mouloulou. Et Yaoundé prie. Amen. Déracinons tous ensemble. En tant que jeune sainte, ce qu'on peut dire avec le brisement des idoles, l'esprit de Dieu est présent. Les démons se manifestent même pendant qu'on cause avec les gens. On a eu une expérience hier avant-hier. On cause, les démons se manifestent en pleine causerie. Les gens se sentent légers avec le brisement des idoles. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça. Ça nous a beaucoup aidé. C'est les jeunes, c'est un jeune centre. On a commencé à 12. On est déjà 200. Et la plupart sont des jeunes convertis. Et le brisement des idoles aussi est en train de nous aider à les bâtir. Enfin, juste une petite précision sur l'organisation, le déroulement de la croisade ici. Tous les soirs, nous avons un frère ou une sœur qui va diriger toute la nuit jusqu'à demain matin. Maintenant, c'est un pas à 4 heures pour ceux qui travaillent très tôt. C'est un pas ici à 5 heures, mais c'est toute la nuit et tous les jours depuis le début de la croisade. Donc ce soir, c'est la sœur Marie-Paul, demain c'est Yelva, et le pasteur va recommencer dimanche avec une nouvelle équipe pour 20 jours encore. Voilà. Donc c'est tous les soirs, un dirigeant pour toute la nuit, et demain un autre dirigeant, ainsi de suite. Et Yaoundé suit la croisade. Même pour les frères qui sont seuls. La croisade ne fait pas exception. Pour le centre comme Etougébé, le bilan de ces 21 premiers jours laisse voir 10 heures de prière chaque nuit avec une participation moyenne de 66 frères, dont un plafond de 104 participants le premier jour et 33 le 18e jour. Le centre chrétien de Soie, quant à lui, connaît 51 participants au maximum et 24 au minimum,
Dieu a permis que les 51 membres de ce centre jeûnent les trois premiers jours complets, y compris les enfants. En Kolofoulou, le pasteur Victor Andossa atteste. Les gens participent à toutes les trois pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans le ministère. Et jusque-là, ça a été effectif. Donc nous participons chaque fois que la sœur Henriette, ou bien le frère Mathieu, ou bien le frère Akoa, ou bien la sœur Esther est en train de diriger. Nous participons à toutes les activités. Nous avons les bulletins de prière que nous avons imprimés. Même les bulletins de prière sur le renversement, non, le déracinement des idoles, nous les avons et nous participons au même moment que le frère Tawet. Ainsi se comptent dans la ville les 51 points de rencontre des frères pour participer à cette bataille que Dieu mène en association avec son Église. Amen. Prions, Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, restaure dans son cœur. Et la croisade se déroule très bien. C'est vrai que nous avons commencé la croisade avec un retard, mais le Seigneur est en train de nous conduire et beaucoup de choses sont en train de se produire au milieu de nous. Malgré qu'il y a les intempéries, tout ça, les frères sont en train de se battre, les frères sont en train de payer le prix pour venir à la croisade. Donc depuis que nous avons commencé, le Seigneur est en train d'œuvrer puissamment au milieu de nous. C'est vrai qu'au départ, quand nous avons commencé, nous étions autour de 23-24, mais tous ces derniers temps, nous sommes déjà entre 37 et aujourd'hui nous sommes à plus de 50. Toute la ville de Yaoundé s'est arrosée de rassemblements divers des frères qui se tiennent chaque nuit pour les uns pendant 10 heures comme le centre de Tougébé, pour les autres pendant 8 heures comme le centre chrétien de Messassi dans la zone d'Obala. Et les frères se tiennent ensemble pendant ces nuits pour louer Dieu, pour prier pendant que le jeûne suit son cours jusqu'au 24 novembre prochain. Nous rendons grâce à Dieu pour la spontanéité des points de prière qui se sont développés dans la ville de Yaoundé pendant cette croisade. Dans un bilan à mi-parcours, nous avons déjà pu rassembler plus de 7000 participants pour une moyenne de 375 participants par pôle de prière ou par point de prière. Et 2600 heures de prière ont déjà été investies, soit une moyenne de 120 heures de prière par point de prière. Ce qui est avantageux avec ces points de prière, c'est la proximité avec les saints qui facilite la mobilité et l'accessibilité dans les points de prière. Nous pensons que dans l'avenir, avec le développement des chefs de pôle, on pourra avoir plus de 200 points de prière dans la ville. Ce qui fera de Yaoundé, comme le Seigneur avait dit, une montagne de prière et un déclenchement d'un réveil que nous sommes en train d'attendre avec impatience.